Dans l'actualité ce soir également, l'agenda du Premier ministre. Aujourd'hui, le président de la qui a reçu aujourd'hui le président de la compagnie fruitière. L'entreprise veut développer sa production locale. C'est ce projet qui a conduit son président Robert Fabre à la primature. Sylvie Touré. La compagnie fruitière veut accroître son niveau de production en Côte d'Ivoire. Son président Robert Fabre est venu présenter son programme de développement au chef du gouvernement et lui exprimer les attentes de son groupe. On a besoin, n'est-ce pas, d'améliorer notre prix de revient, on a besoin de développer les quantités. On a besoin de faire pression sur nos coûts car la concurrence internationale sera de plus en plus forte. Les protections dont nous jouissons en Europe seront de moins en moins réelles et donc on a besoin de retrousser les manches et de pouvoir regarder nos concurrents latino-américains les yeux dans les yeux et essayer même de leur faire baisser les yeux. La compagnie fruitière se veut citoyenne. Elle entend partager les retombées de son activité avec les populations des localités où elle est située. Elle va s'investir dans l'éducation, la salubrité et la santé. À son actif, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste en construction à Tiassalé.